ak tout moun ki branché Hedi News Arena lesa, gwo bonjou bonsoir pou nou tout et bienvenue. Si c'est premier fois visiter nous information nou partage ou intéressé, pas oublier abonner avec chaîne et puis ouvrir chaîne notification, ça permet chaque fois nous poste une vidéo sur chaîne ça que j'ai information sans problème. Plusieurs ouvriers dans factory en dans Sonapi prend la rue une fois encore jeudi 10 février hein, pour demander l'état haïtien augmenter salaire minimum maintenant à 1500 gourdes. Ouvrier ça qui t'a manifesté t'es bloqué circulation dans toute zone 3 mains sur route aéroport. Travailleur ça yo fait connaître si salaire y a touché à pas qu'à répondre à exigence familiale yo gain. Nous avons plus passé 15 monde qui victimes dans manifestation et encore aujourd'hui la police vient faire même travail yo pas voulu ouvrier manifester sur route aéroport. Et bien aujourd'hui nous disons aéroport c'est pour nous lier. C'est là notre travail. Il n'y a pas qu'empêcher nous manifester sur l'aéroport. Et dans l'optique ça, nous continuons à manifester pour nous réclamer 1500 gouttes comme ça le minimum avec ensemble merci et accompagnement social. C'est une deuxième journée de manifestation réussie pour nous. Parce que l'objectif là, c'est paralyser ici pour pas travailler, pour ne pas une douzaine. C'est pas marcher puis le béton. Hein. Nous te descendons, mais c'est arriver paralyser factorio sous un aéroport. Hein. Qui réussit là. Nous avons un salaire PTFL qui c'est 600 gouttes. Nous demandons 1500 gouttes pour salaire minimum. Nous avons mobilisé. Nous pas faire des autres, nous pas craser, nous pas briser. Simplement nous sortir, nous avons chanté, nous avons mobilisé, nous avons demandé 1500 gouttes pour salaire nous. Parce que le gaz monte, machine monte, salaire ouvrier, pas jamais monter, nous avons 3 ans, pas jamais nous même une goutte. Et nous avons sorti en ville, nous avons sorti Canaran, nous avons payé 30 dollars, 40 dollars machine. Il a touché 100 gouttes, il a touché 100 dollars, 100 dollars pas qu'à régler pour vous. Et là, vous mangez pour faire boîte le matin pour Timounio. Cabaret, sorti chaque matin, ma paye 40 dollars la machine. L'envie dans le matin pour montrer. Machine s'arrête pour 20 dollars. 10 dollars j'y. Ça donne 70 dollars. À 11, machine 30 dollars manger. Il est dehors, il change en bédé. En deux marchés, et 50 dollars manger au bail. D'ailleurs, l'envie dans la poche, on change pour 30 dollars. 10 dollars j'y. T'aime 100 dollars. Quoi de quoi l'école visite moi? Quoi de quoi? Pour marcher au rythme, tout le monde, parfois pour escouter les pères, c'est un rage, un passe pour tout le monde après c'est tombé, pour me sortir de la badouille, pour m'aller à la caille, pour me faire un marché de manger. Moi-même, je demande à Ariel pour donner 1500 gouttes là. Tout le monde a 1500 gouttes là, nous-mêmes ouvriers, nous pas choisir d'entrer. Toujours dans ça qui vient, ouais, en question ça, Conseil supérieur salaire, informer population en général, travailler avec patron yo, en particulier, il déjà prend tout. Disposition pour voyer le pouvoir exécutif là, recommandation qui permet de fixer salaire minimum non en 20 longtemps. Dans notre conseil de la rente publique lundi 7 février, il demande tout acteur pour être tête frette et puis ton arrêté qui a bien pour fixer pipiti salaire, un monde qui travaille dans le secteur privé doit toucher. Moun qui signe pour conseil supérieur salaire, c'est Gerline Jean-Louis pour secteur public là, Claude-René Gilbert Durand pour secteur patronal là, Pierre-Joseph Polycarp pour secteur travailleur. N'a enchaîné pour nous dire prix marchandise continuer à augmenter sous marché à pendant temps ça, c'est en bas gros difficulté marchand n'a mené activité yo à cause pas gain sécurité. C'est quelques parmi problèmes qui marchand cap vend dans marché public yo rapporté. D'après yo situation ça, c'est conséquence insécurité a ak instabilité pays d'Haïti a connait depuis plusieurs années. On suit déclaration quelques nan yo non micro TNH. C'est qu'on dit ça dit à 2530 dollars, c'est pas du blé à 2016 dollars. Moun pa ka manger. Tout bagage chez lui même bagage ça dit tout pas jeune ça dans pays a même. Et moi j'ai mis pays. Il a dit que c'est gaspillé, mon cher gaspillé d'ailleurs. Moun ne pas de côté pour passer pour venir acheter. Et pour venir vendre. Quand il y a des choses qui sont plus mal, moun a tout le monde. Pas grand pour acheter dans le marché. Là, moun a venu acheter dans le marché. Nous, nous avons fait marché noir. Et nous avons fait marché noir. Moun a la vie devant un an pour acheter. Et là, regardez, c'est pour vous qui est le capital là. Pas de choses qui sont plus mal parce que y a une sécurité. Moun pas de marché, pas de prendre la rue. Avec insécurité, on a mouru, on a mouru, pas qu'à acheter au mami tiri, pas qu'à bâtir mon manger, l'école chaîne encore, par contre, qui s'en doit faire. Moi-même, pas besoin de président Foyer pour me bonne sécurité moi-même. Environ 40 personnes mourues, parmi eux 35 en babal, c'est bilan responsable commission épiscopale nationale justice avec la paix
Jocelyn Collat, présenté mercredi 9 février 2022. Bilan Sila concerné mois janvier à commencement février 2022. Responsable CG Lapla fait qu'on est Mounsayo Mouri dans le cadre d'insécurité qui a augmenté chaque jour dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. On suit. Commission épiscopale nationale justice à Clafer a déjà noté 40 cas de personnes qui mourent avec violence dans la zone métropolitaine pour le mois janvier 2022. Chiffre ça, li plus parce que ça nous était censé et pour le mois janvier 2021. Donc pour le mois janvier 2021, c'était 34 cas et nous était censé, alors que pour janvier 2022, nous était censé 40 cas. Et les gens qui mourent avec violence, c'est 35 là dans eux, c'est avec balle et mouille. Et donc, cas violence, nous même on note, donc c'est nous dit, et les gens qui mourent avec violence, ça veut dire les gens qui mourent avec balle, et les gens qui mourent dans catastrophe, les gens qui mourent, et même les gens qui s'étalent, même qui trouvent les têtes libres, donc nous mettez cas à retour dans la catégorie et mort violente. Et mais et ça qui peut plus attirer l'attention à chaque fois, donc c'est les gens qui mourent avec balle. Donc j'aime dire là, c'est que 35 parmi 40 personnes qui mourent, nous sommes censés. Donc 35 là-dedans, c'est avec balle qui mourent. Donc ça, c'est une situation qui montre et qui gêne. Balle, utilisation balle, zame à feu, qui c'est un élément qui a un problème dans la société, particulièrement dans la zone métropolitaine. Et donc ça veut dire tout, et manquer contrôle sur la question de zame, manquer enquête tout qui fait pour qu'à et de guerre en pile dans Kayo, c'est dans la commune de Port-au-Prince, donc surtout par rapport à ça qui a passé Matissan, donc on Matissan c'est sous zone et commune Port-au-Prince et lié de guerre en pile dans Kayo, c'est dans la zone Sayo qui nous intéressons. Voilà, c'était précision directrice CJ Laplan, Madame Jocelyne Collat Noël. Et puis, nous avons fait connaître révérend pasteur Claude Louis, leader de l'église Malaléel, qui était mort à l'hôpital jeudi 3 février passé. Communauté Malaléel remercie tout le monde qui a partagé message sympathie avec vous. Vous profitez annoncer. Funérailles pasteur Louis Saint a fait samedi 12 février 2022 à non matin dans l'église Malaléel dans Delma 33. On suivit un reportage avec collaboratrice nous, Rachel Saint-Fort. L'on vécu en beauté, c'est pour mourir en beauté. Donc si c'est pour me passer dans la maladie, ça que le nom de l'Éternel soit béni. L'idée de l'église Malaléel a passé que Louis Saint mourit l'hôpital jeudi 3 février 2022 à 73 l'année. Le verran pasteur que Louis Saint a grandi chapeau, il est chanteur, poète, écrivain. Monet Adam, c'est le dernier album pasteur que Louis Saint. Il était présenté émission Babouquette la tombée dans l'année 86 sur Radio Lumière. Côté l'été qu'on fait analyse politique sur sujet actualité. Pour qu'être la tombée, c'est pour une émission de café sans intimidation. C'est pas un bagage de café, c'est un bagage de pression constamment sur vous, c'est un bagage de menace de mort et constamment. Et mais et passion qui t'a animé et nation dans le moment analyse à la fête et t'es encourageant. Mais il faut nous dire tout, après tout bagage, ça au fin passé, résultat aujourd'hui décevant. Mais les mapes gardent le pays à jour, c'est parfois avec un sentiment de perte de temps, les mensongers, qui risquent nous prendre pour nous faire la bouquette la tomber. Voir l'idée de l'église Malaléel là, parce que lui sont touchés plusieurs générations. Il était toujours porté message pour la population fidèle à travers prêche Lyon. Parce que Claude Louis Saint a des problèmes de santé pendant ces derniers mois. La communauté Malaléel a fait connaître parce que Louis Saint après ses voies soins, qualité militaire. La communauté a profité de l'occasion pour remercier tout le monde qui pensait avec eux à travers message sympathie et bien annoncer funérailles révérend Pasteur Louis Saint dans la date samedi 12 février 2022 à matin dans l'église Malaléel, Delma 33.
Je refuse le comportement au monde qui est malade. Parce que bon Dieu m'a communiqué déjà. Il ne m'a pas abandonné. Je m'habitue à vivre là. Je vais continuer à vivre comme ça. Et puis tout le monde vit en beauté. Il va mourir pour mourir en beauté. Et bien aimé, moi, ma belle en moi, je n'ai pas de problème avec le titre. Les élèves l'école et citoyens manifestés dans la rue Camperin pour moi des bons gens assistance pour élèves dans la commune là qui ont subi gros choc pendant passage tremblement de terre dans le grand sud pays à 14 août 2021. Manifestants qui fait tout plaisir rue dans la commune là à pancarte dans Mayo t'a demandé reconstruction plusieurs l'école qui ont subi gros dommages. N'a invité nous suivre un extrait. Nous prenons responsabilité nous en main, nous disons qu'on ne peut pas traiter en parlant pour. Et c'est peut-être ça, nous tous, nous là, nous levons campé et revendication par notre bagaille, reconstruction l'école, reconstruction caille. Nous demandons 2 années de grâce, ça veut dire, parlons, ils ont appauvri après 14 août, là, après tremblement. Ils n'ont pas qu'à payer l'école. Directeur l'école a voulu dire que nous retourner, pas pile et pas paquet, pas de possibilité pour payer l'école. Donc faut que l'État est intervenu pour payer 2 années l'école pour parents. Ça fait nous prendre la rue. Donc, n'a pas l'État un mois pour lui réagir. Si un mois, il n'a pas réagi le 8 mars, qui c'est une grosse journée, journée faite femme, eh bien, nous pouvons demander encore tout système, tout acteur qui est dans le système éducatif là, avec l'autre professionnel et toute couche en deux populations, hein, rejoignez-nous encore pour notre hommage pacifique le 8 mars, si l'État pas jamais tiré. L'engineage tout bord, nous comme senti nous pas qu'à travailler parce que pas bien manger, si nous sommes pas à nous sans manger mal l'école là, les moutons l'école là. À cause du désert, nous avons dit après ça, nous avons dit tout le monde qui est comme ça. Nous avons dit que nous avons mangé. Maintenant, l'État a code qui nous a mis pour dégager, pour intervenir, coopérer. Pour que nous ayons à l'école, la vie chère, la chère. Imaginez-nous, pour ma sauter là, pour ma paix, sans goutte mal l'école. Et tandis que même si vous ne nous avons pas gagné pour manger, la vie chère, nous avons dit l'État. Tant pis s'il vous plaît, à quoi qu'il en met le roi pour nous faire pour nous, les taillots, est-ce que nous tenez? Même quoi nous l'attendez? N'a pas continué avec Fédération Barouyo qui répond à l'invitation chef gouvernement TFEO pour voyer représentant yo dans le conseil électoral provisoire Cap Gain pour former à. Dans ce sens, secrétaire Fédération Barouyo, maître Robinson Pierre-Louis, annoncé mercredi 9 février, une assemblée générale pour week-end Cap Vinila. Économie Comidre Emilias avec Michel Joseph en suite. C'était sous base d'une lettre d'invitation qui était depuis le mois de janvier, début, et que nous avons participé. Mais l'encontre m'a plus précisé, c'était en présentiel, c'était une rencontre virtuelle. Ça veut dire que c'est via Zoom que nous avons fait la visioconférence. Et m'a dit tout, dans la réunion ça, normalement dans l'autre qui était venu jeune nous, mais nous, c'était gain 3 points là-dedans, effectivement. T'as gagné un conseil de contrôle, t'as gagné un conseil électoral, et puis t'as gagné assemblée constituante. Mais en réalité, pour nous-mêmes, dans la Fédération des barreaux, le point qui nous concernait directement suivant le Premier ministre, c'était l'Assemblée constituante. Et nous avons discuté sur le point ça amplement. Elle demandait nous pour nous nommer 3 mondes. Elle a même cité les différents secteurs qui t'a supposé voyer le monde. Pour t'as écrit une autre constitution totalement. Et pour t'as un rapport avec pour prendre toute préoccupation sociale, politique, économique, tout pays, hein, toute situation qui a concerné pour nous produit une œuvre qui de grande valeur, qui t'a gagné. Et j'ai dit l'embrasser toute cause nationale. Yo. Bon, nous-mêmes nous dédions comme secrétaire de Fédération des Barreaux et président particulièrement le temps pour exposer toute préoccupation Fédération des Barreaux comme institution dans le pays par rapport à toute situation que nous connaissons aujourd'hui au niveau insécurité. Nous ne disons pas mes problèmes, la décision ne vient pas
à nous pour nous dire que nous avons participé. Toutefois, c'est un bail qui est important pour le pays et que nous pourrons consulter l'Assemblée des bâtonniers. Et l'Assemblée des bâtonniers, c'est 18 bâtonniers, ça veut dire 18 juridictions, ils sont tous concernés et toute décision doit sortir sous forme de résolution. Ce week-end, nous avons supposé une facilité pour nous organiser une réunion ça et puis pour une décision qui sorti et pour nous travailler pour le ministre en réponse sous éventuelle participation nous dans l'Assemblée constituante là, côté normalement Fédération des barreaux a gagné pour nommer 3 membres dont une femme selon le vœu du premier ministre. Gina Lafontaine, c'est lauréat 2e édition concours national reportage réseau haïtien journaliste santé réalisé. Journaliste Radio Télé Express l'ont réalisé reportage lié sous situation nutritionnelle Timoun qui dans section communale. Marc Sonirico, journaliste Le Nouvelliste, avec Jocelyn Pierre, journaliste TNH, c'est deuxième à troisième gagnant concours SILA. D'après responsable non RHJS, concours a rentré dans le cadre projet campagne communication multimédia pour permettre aux gens qui sont plus vulnérables d'avoir accès à l'eau potable et puis soins de santé. On suivit en bout. Je remercie tous les membres du RHJS pour ce valeureux travail, cette belle initiative Sinop. Ce n'est jamais facile de créer et d'innover dans un domaine aussi développé et aussi important que le nôtre à l'heure actuelle. Nous avons semé de bons grains les fruits desquels nous nous sommes fiers de moissonner aujourd'hui, fiers d'avoir dûment travaillé pour mériter le vent de repli sanctionnant notre travail, fiers d'avoir participé à ce concours, fiers de faire partie de la radio Télé Express Continentale, une prestigieuse station de radio à Jacmel, dans le sud-est d'Haïti. Fier aussi de participer dans le processus de former et d'informer la population haïtienne. En fait, dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mon reportage, je voulais attirer l'attention des autorités gouvernementales sur les enfants malnutris, surtout, ceux qui sont dans les sections communales du pays. De l'accès aux soins de santé représente un handicap précisément pour eux. Ainsi, la malnutrition représente un problème crucial dans les pays sous-développés comme la nôtre. La majorité de la population n'a pas une ration alimentaire équilibrée. Certains départements du pays sont classés parmi les zones rouges et la population vit dans une situation d'insécurité alimentaire. Bilan d'information apporté pour nous, il y a plusieurs localités dans la commune Pétionville, parmi Bristou, Mon Lazare, Mon Hercule, qui recevoir kit alimentaire mercredi 9 février 2022. Dans le cadre de distribution, fonds assistance économique et sociale a fait dans tête collée à la délégation départementale l'Ouest pour aider les gens qui sont vulnérables. Localité ça a recevoir plus passé 1500 kits alimentaires à travers le programme SAN qui pourra poursuivre dans tout le pays d'après responsable FAESIO.